Et yop là, bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Alors, Prime Sœur, découverte de Journey. Donc, un jeu qui est sorti il y a un bon bout de temps maintenant, il est sorti en 2012 à la base. Et il est ressorti cette année sur PC. Ça à la base était que sur console Sony. Du coup, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, tout le monde en y est beaucoup de bien. Et voilà. Du coup, ça y est, on peut enfin y jouer. Et au début, en fait, donc il est sorti sur Epic Games Store. Et en fait, à la base, il tournait pas sur mon ordi. Il y avait un problème avec le processeur. Je sais plus trop ce qu'il y avait comme message derrière, mais voilà. C'était impossible d'y jouer. Du coup, j'étais un petit peu triste. Et puis finalement, ils ont fini par le patcher. Hey, salut Alain. Ouais, parce que c'est vraiment une découverte pure, hein, donc je suis assez impatient. Tout le monde a dit beaucoup de bien, donc. On va aller là-haut, ça paraît bien. C'est faux, c'est ouest. C'est encore mieux que ça. Ah, bon bah ça va alors. Là, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont adoré, hein, donc. Ah, du coup, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est de suivre les bouts d'écharpe, hein. Ça paraît pas mal comme idée.
Youhou! Mince. Ah. Dégoûté, ça n'a pas du tout fait ce que je pensais. Ah, et puis là, on prend un sifflet en plus gros. D'accord. Merci. Ouais. Je t'avoue que ça, j'aurais pas essayé. Donc, merci de me l'avoir dit parce que. C'est en face, ça paraissait pas mal en face là. Il y a un truc là-bas, je l'ai pas vu. Dégoûté. Il y a devant un truc dans la tour là. Allez, celui garde. J'imagine tous les trucs là, ça va être des choses à ouvrir par la suite. Par contre, c'est un gros lot de lumière, mais.
l'impression qu'on pouvait faire quelque chose là. Ah, sélection de chapitre, d'accord. Ah, mais là, d'accord, ça brillait, mais. J'ai déjà. Ah, il y a un truc qui est pas allumé là en fait, je suis en train de me dire. Ah mais d'accord, ok, s'il manquait, okay, il manquait une glyphe. Très bien. Yo les crèmes. En fait je comprenais pas pourquoi le truc lumineux, il y avait rien à faire, mais c'est juste que j'avais pas tout, j'étais pas approché de tout. D'accord. C'était du jeu, ça fait à peine 17 ans. Du coup, c'est Dark Souls. Enfin, si c'est en multi, c'est comme Dark Souls alors. Okay, donc il y a la lumière en face là-bas. Il y a des trucs en bas. Ça me perturbe de ne pas pouvoir sauter quand je veux en fait. Y'a yep, pas les yeux. Bah toi j'ai du cœur, moi je connais que de nom en fait. Hein. Je me suis jamais spoilé sur le jeu donc. Si j'ai déjà écouté l'OST quand même. Ah bon. Bon pour l'instant je suis en train d'essayer de. Du coup. Pour l'instant j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Bon, déjà ce qu'il faut faire c'est essayer de pas sortir de la map a priori. Hein. Je pense que le jeu veut pas que je sorte de la map. Très bien. Alors, est-ce que le but à chaque fois c'est de trouver toutes les glyphes ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Je sais pas. Cop plus que multi. Ouais. On va déjà ramasser les trucs qui brillent, puis après on verra bien.
Bon, pour l'instant, je comprends pas grand-chose, mais j'imagine c'est fait exprès. Il y a une lumière là-bas. Yeah. Ah. Ok. Je suis un peu triste, je croyais que j'ai trouvé un escalier magique pour aller choper le truc. Le truc qui brille au-dessus là. Ah, d'accord. Et là, du coup... Cool. Ok. Mince. Voilà. Donc là-bas, avec le truc de papier, je peux faire pareil, a priori. Ok, donc tous les trucs là, ça me permet de me projeter un laser. Très bien. Du coup, tout le monde a déjà fait la journée là sur le chat ou pas? Hey, classe. Ok, donc du coup, faut que je les active un peu tous pour pouvoir avoir les ponts. Très bien. Et ben, on va aller faire ça. Hein. On va aller faire ça. Il y en a là-bas. Il y a des petits là-bas, mais on va les voir quand même. Pas pourquoi tout le monde le trouve incroyable jusqu'à ce que j'arrive à la fin du jeu. Ah. Là, t'es en train d'anticiper le moment où ça va me saouler et t'es en train de me dire non, vas-y, continue. Je compte sur vous pour backseat si jamais on mange galère, hein, histoire que je le termine en une soirée.
Bon, je sais pas, j'ai lu ouais, 2 heures, 2 heures et demie pour terminer a priori. Bon, sachant que j'ai déjà pinaillé sur le moment où on choisit le chapitre, donc déjà, je parais quand même un handicap quoi. Écharpe moins de 2 heures, ouais. Les bouts d'écharpe, c'est les glyphes en fait, enfin, les trucs que j'appelle les glyphes, ou non, c'est encore un truc différent ça. Bon après c'est que c'est quand même super cool de pouvoir voler plus longtemps. Hein. J'ai vu ton message hier, Alain, sur Twitter où tu disais que tu avais fini de réfléchir au fonctionnement du... comment dire en français? De l'infiltration. Si on peut dire sur le jeu. Je me suis dit non, pas ça. Pas de phase d'infiltration. Puis je me suis rappelé que c'était un jeu de cartes, alors ça va. C'est bon, on a tous les points, voilà, impeccable, on peut y aller. Cool. Fini la première passe du game design complète. Ah bien, donc c'est parti pour le tableau de chiffres et de code. Cool. Cool ça. Sache que si tout se passe bien, je serai très disponible en janvier, en février. Clin d'œil, clin d'œil. D'Europe. OK. Yep, ça marche.
Mais j'ai des drops incroyables, là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, désolé, ça drop, mais je sais pas pourquoi. Bizarre. Ça a l'air d'être bon. Ok. Ok, bah continuons. C'est vraiment cool la montagne là, fondue avec le halo lumineux et tout, enfin avec le rayon de lumière. C'est vraiment joli. Genre on va là-bas? Ok. Oh, comme c'est cool. Waouh, trop bien. Pour le reste là. Pour le faire super une fois, puis ça fait de fou dans le coin, ça va faire un pentagone électrique. Ah, tu peux essayer de faire des figures, hein. Ça peut être sympa aussi. Ouais. Ça peut être sympa. Ouais, je sais toujours pas ce que je vais jouer. Mince, ouais.
je voulais grimper dessus, j'ai raté. Qu'est-ce qui fait du bruit là? Ah. Ah, mais y a un truc là-haut. Ok. Ouais, vraiment, je sais pas encore ce que j'ai joué pour PoE, j'hésite encore. Je vois bien les totems, les balistes là, mais j'ai quand même peur que ce soit de la daube. Après, je me dis au pire des cas, je pourrais toujours changer, mais. Oh! Ah, mais du coup, je suis revenu. J'allais dire, je suis revenu au début là, mais peut-être pas en fait. Eh hey, mais ça fait peur par ici. On m'avait pas dit que le jeu faisait peur. Ah mais ça se trouve c'est pour ça que j'ai des drops, c'est ça? Parce qu'il y a du multi. C'est ça l'idée? Non mais barre-toi, c'est bon. Ah non, j'appuie sur start. J'en faisais pas dû en fait. Ok. Non mais non. Ah, du coup, le multi. Non, c'est vraiment un mec relou qui veut absolument que je fasse son pote, mais en plus, ça fait drop quoi. Triste. Ok, très bien. Comme tu l'aides pas. Ouais, mais ça va quoi. Je suis capable de me saouler aussi au début.
En fait, je viens de comprendre que très récemment que on puisse filer de l'énergie l'un et l'autre en fait. J'ai pas capté à la base. Je suis pas avec une grosse enflée en fait. C'est aussi parce que j'ai pas compris. Par contre, ouais, ça fait chier que ça drop, que ça fasse dropper alors. T'avais pas moins de jeux hors ligne quoi. Cool, on a libéré plein de pieuvres. Il y a un petit côté cool Borders. Hein. Il y a... Par contre, finalement, c'est Omno qui a vraiment repris ce concept de glissade. Hein. J'ai trouvé ça super sympa, effectivement. Je comprends mieux d'où il l'a pris. D'ailleurs, Omno, j'ai bien hâte de voir la suite de développement quand même. Voir s'il réussit à faire un bon jeu avec son proto, j'espère. Yeah! Mince, il y a un... Ah, attends. Oh, sérieusement? Haha! Ouais, clairement, c'est super agréable. Bah, même glisser, voler, enfin... Puis les environnements, ils sont, c'est joli en fait, c'est vraiment beau. Les effets de lumière, les couleurs, c'est... Alors du coup, je suis où là? Et les trucs là allumés. Mais c'est gris qu'il faut que je refasse ici quand j'aurai le temps. J'ai beaucoup aimé également. Ah non, encore relou là-bas. Barre-toi. Après Shadow of the Colossus. Bah j'ai pas joué non plus.
Après, le truc, c'est qu'en fait, tous les exclus Sony, j'y ai pas joué, donc. Ouais, tu m'as dit que t'avais fait gris à 100%. Yeah. Wouhou. J'aurais pas celui-là. Ouais, gris, il est vraiment bien. Bah, c'est un peu la dépression quand tu comprends les thèmes qu'il aborde, mais. Ah, c'est un truc blanc en haut, tant pis. Ça passe. C'est vraiment super beau, hein, les passages comme ça. Il y a des plans qui sont magnifiques, hein, vraiment. Boum. Bon, sa musique me font penser à un vieux jeu, ouais, c'est Ico. Ouais. Bah, Ico, pareil, jamais fait non plus, vraiment, tout ce qui exclut PlayStation, j'ai pas fait. Mais Ico, je pense que j'aurais. Alors, je pense que j'aurais été partagé entre le fait d'adorer et le fait de détester si t'as quelqu'un à protéger. Mais clairement, ouais, toute l'ambiance et tout, ça me paraissait vraiment génial. Mais là, ça va faire ça. Pardon.
Et du coup, c'est moins chaleureux comme ambiance là. Tout de suite, quand t'appuies sur les tons de jaune-rouge, c'est. Ouais, c'est marrant, ça fait une vraie ambiance aquatique. Ah merde, mais tout ça, je peux les. D'accord. Ou pas. Si, peut-être. Ouais, si, d'accord. Donc là, je peux. Ok, je peux en servir pour monter. Très bien. Un truc à l'intérieur là. Et ouais. Ah, mais en fait, dans ma tête, c'était tellement des algues que. Me suis même pas dit que ça pouvait être des tissus, éventuellement. Bon, c'est aussi parce que je m'étais pas encore approché, hein, sinon. Bon, honnêtement, le jeu, rien que pour le côté balade, je regrette pas, quoi. Caché par là, triste. T'aimes les méduses? Bah, les méduses, c'est joli à regarder, hein, mais bon, par contre, ça s'arrête là, quoi. Putain, j'ai vu qu'il y avait des. J'ai vu un reportage là-dessus. Death Stranding, mais non, non, ça va, allez, merci. Non, en fait, j'aime bien me balader quand c'est pas chiant pour se balader, quoi. En fait, j'aime bien me balader quand tu fais stick gauche, enfin stick tout droit, il va vers l'avant, gauche, il va à gauche, et ainsi de suite, quoi. C'est vrai que moi, je suis vraiment pas du tout en fan de Kojima, hein, vu que j'ai jamais fait Metal Gear, donc. Oh putain! Mais comme il m'a fait peur ce con-là. Mais comme il m'a fait peur. Ah, je m'y attendais tellement pas. Pourtant, j'attendais une grosse bestiole, mais je me suis dit, oh, depuis le début, le jeu il est cool. Et bah, le jeu il est pas cool, vilain jeu.
Et oui, Ramoul, mon soeur cherche toujours un emploi et serait prêt à faire coursier qu'on m'épide. Une vie depuis est jolie, et les gros marrons mal de Bretagne, pas mon truc. Ah non, mais il fait carrément peur. Et du coup, donc je disais avant de me faire intercepter par la grosse bestiole que. Oh, ça va être relou, je le sens. Donc je disais. J'ai vu un reportage comme quoi maintenant ils font des aquariums à méduses en fait. Et c'est en train de devenir une grosse mode, etc. Blablabla. Mais je sais plus comment ça coûtait l'aquarium, mais c'est des trucs spécifiques, etc. Mais je me demande si ce n'est pas pour 2500 boules, un truc comme ça. C'était super joli, hein, mais bon. La 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 la. Pourquoi il passe pas là? Ah, genre le. Oh, le mur invisible. Oh, il est sale celui-là. Non, mais t'as pas non plus 50 des machins là. Déjà 15, ça me foutait les miquettes. Et Alain qui me dit non, mais le jeu il est facile alors qu'il y a de l'infiltration. Ah, bravo quoi. Oh merde. Mais l'expérience, je suis quasiment max la difficulté d'infiltration. Que je cherche mon parapluie, bah croyez-le non, je fus très ému. Non mais c'est joli une méduse. Bah, c'est tout, quand elles sont bien éclairées, etc. etc. Ah oh, tiens, y a un truc. Oh, je gride ou pas? Évidemment, évidemment que oui. Voilà. Donc là je vais grid et après je vais gratter. Oh. Ouais, ça passe l'eau ou pas? Alors, non. Non. Ouais, ok, ça. Je serais pas l'avoir vu de mes yeux, d'accord. Mais l'aquarium de La Rochelle est plutôt joli d'ailleurs. Sous la partie finale avec les plantes tropicales, tout ça, super classe. J'aime bien les plantes. Et ouais, pour répondre à la question, Edramoul, pour l'instant, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ouais, c'est tout ça sympa. J'adore l'ambiance en fait, l'ambiance du jeu elle est vraiment top. Et puis il y a le petit côté, ouais, t'as envie de voir un peu de comprendre ce qui se passe. Les plans sont jolis.
Pour être franche, je sais toujours pas pourquoi je fais les trucs, mais je suis content de le faire. Et c'est peut-être ça le plus important. Peut-être Alain aussi qui peut. Peut-être qu'Alain il peut te conseiller aussi. Pour quelqu'un qui a bien aimé Journey à Shadow of the Colossus, il y a d'autres jeux. Ouais, bah, j'imagine qu'effectivement les frais animés, ça. Ouais. J'ai fait Rime il n'y a pas longtemps, c'est RIME. Ça ressemble un petit peu dans le sens où tu te balades aussi sans forcément trop comprendre ce qui se passe, etc. Mais il m'a laissé sur ma faim, perso. T'en es pas Alain, je vous conseille des jeux comme. Mais non, pas pour Shadow. Après, Shadow of the Colossus, j'y ai pas joué donc. Ouais, Gris, je pense que t'adores. Mais t'as peut-être déjà fait Grimmaul. Mais par contre, oui, si tu l'as pas fait, Gris, prends-le parce que je pense que toi, il va. Ah, si tu l'as ah, si tu l'as pas fait, joue à Gris. Alors par contre, on risque de t'y perdre, hein, clairement. Mais ouais, non, c'est certain que tu vas adorer. Mais c'est certain aussi que tu vas te poser beaucoup trop de questions. Il y a beaucoup trop de moments où tu vas réfléchir à plein de choses. Je sais pas, il est à combien en ce moment, Aigri? Il était pas en promo pour les soldes de Totem, tout ça, non? Ah bah Brother of Tales of Two Sons, oui moi j'ai adoré. Un de mes gros jeux coup de cœur, clairement. Hein. 8 € en salle, d'accord. Mais ouais du coup, ouais, Gramoul, Brother of Tales of Two Sons, c'est une très bonne. C'est une excellente suggestion. Et là pour le coup il est souvent en promo à 2 ou 3 euros en plus donc. Je trouvais ça presque bizarre que t'aies pas parlé de Last Guardian, un jeu qui divise. Je vais où là en vrai? Si on rigole, on rigole, mais. Ah non, mais Brothers, c'est la tristesse infinie. Hein. Je sais pas par où je suis arrivé. C'est triste à dire, mais je pense que là-bas j'ai pas dû y aller. Ah, cool.
Après, la musique est super belle, quoi. Enfin, la musique et puis enfin, tout en fait. Ouais. C'est vraiment sympa aussi l'écharpe comme ça qui s'allonge petit à petit. Ça. J'essaie une cause builder 2 plein pot, ouais, c'est vrai. Ouais, Brothers Tale of Susanne, ouais, c'est il est dur comme jeu. Enfin, il est dur moralement, quoi. Attends, attends. Est-ce que je peux aller là-bas direct ou pas? Ah ben, ça bouge pas, rien. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé avec Jasgorian? Ça me fait mal avec le design aux fraises, une IA soi-disant vivante, mais qui a juste un côté chiant, un Après, c'est là, hein. Attention. Ah mais ils sont où les machins? Ah mais d'accord, pardon, ok, j'ai pas compris que c'est en train de me créer des trucs. J'ai toujours trouvé ça super cool dans les jeux quand t'as des constructions en temps réel comme ça. Multi-vie. Non mais c'est ça, de toute façon, autant. Après, c'est comme toujours, un avis forcément subjectif. Alors c'est vrai que non, je devrais aller faire le tour des trucs pour voir, mais que en fait j'ai la flemme d'y aller, c'est ça. Ah, t'as dû chanter. Bah au début je chantais à côté, j'ai vu que ça faisait rien de spécial, donc maintenant je marche quand. Je suis bête et discipliné, moi. J'irai sur le wiki à la fin pour comprendre l'histoire. Pas quoi que c'est le crime qui m'a promis une fin incroyable.
Donc si la fin est pas incroyable, je peux envoyer un mail d'insulte. Et toi aussi, je dis que la fin elle est ouf. Bon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu de ça que j'ai peur du coup. Ah, c'est vrai que déjà je lance cette journée en n'ayant que des retours positifs, donc j'avais un peu peur parce que dès qu'on se fait trop entendre, on entend parler à chaque fois en bien. Bah t'as toujours la possibilité d'être déçu, quoi. Mais bon, là en l'occurrence pour l'instant c'est cool, il n'y a pas de souci. Que penses-tu des contrôles dans ce jeu? Je pense qu'ils auraient dû le mettre comme Death Stranding avec de la gestion du poids, des choses comme ça. On va glisser à cause de l'écharpe, c'est pas si grave, mais si tu commences à t'étrangler à cause de l'écharpe, c'est vachement dangereux en fait une écharpe comme ça. Tout comme ça, tu voles entre les pylônes. Je vous avoue que j'espérais qu'il se passe un truc incroyable. Ouais, c'est quoi ça? Ah bah revoilà notre copain le ver relou. Ah bah c'est les deux marques, c'est différent. C'est forcément mieux. Merde. Oups. Vite, vite, vite. C'est la fin de Sekiro, je peux vous dire que je quitte bien la race. Ah mais c'est qui? C'est Brodav qui a adoré Sekiro. Passage j'ai trouvé après avoir tourné en rond pendant 25 minutes. Ah merde! Ah, elle est dure. Mais non mais... Ah là il aime bien ce format, il aime bien les Dark Souls tout ça. Et j'y arriverai jamais là-bas, je suis trop loin non?
Voilà. Ouais. Il me paraît super loin l'autre le stade là. Non? Bah je sais pas, Sekiro, j'ai regardé un petit peu jouer et ça avait l'air super classe. Enfin, en fait j'aime beaucoup l'ambiance, l'univers et tout. Mais il y a les Nioh aussi que j'aimerais bien faire en fait. C'est finalement ça ressemble un peu à du hack and slash, ça que m'a dit Dayzana. Un jour faut que j'essaie. Bon, ça sera pas tout de suite, hein, mais un jour. Go ninja, go ninja, go. Ok. 2020 de la fibre, c'est Kiro. Référence musicale, ouais, désolé. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. Je l'ai vu au cinéma aussi. Je l'ai vu au cinéma. Ouais. Oh. J'ai fait aller tout droit en fait là. Si on va tout droit, on est dégoûté ou il se passe des trucs incroyables hein? L'arbre des moines. Allô? Il galère un petit peu le perso là. Alors là-bas, je pense qu'il y a un pont qu'on peut activer avec un petit coup de champ magique là. Ah voilà, c'est du bien, c'est cool ça. Impec. Puis toi c'est téléguidé, donc ça m'étonne pas qu'on puisse rater des trucs majeurs. Ouais. Ah ouais, c'est vachement ouvert en fait quand t'avances. Ah merde! Ah mais d'accord, je suis déjà plus, j'ai déjà plus de trucs quoi. Ok. Et du coup, tu l'as fini toi, Gramou, le jeu, ouais? Ah merde,
Ah, tu l'as fini ta journée ou pas? Très branlé pour te guider là où c'est parfait dans le Dark Souls, ouais. Ouais, mais c'est un objet important, mais pas. Bon, alors tu me diras là, si c'est qu'un orbe de machin, c'est pas non plus forcément super important, quoi. Ah bien. Ok, d'accord. Très bien. J'ai naïvement cru que j'étais caché. Hein. Je l'avoue. Ah mais du coup j'ai perdu de l'écharpe. Oh, et dégoûté. Allez vite, dépêche-toi. Ça va. Elle est YOLO. Partir du principe qu'il va pas me voir, hein, parce que là je vois pas trop où je peux me. D'ailleurs, je sais même pas par où faut que j'aille en fait. Il est où le machin là? Ah, là-haut. Mais je me demande si le machin là-bas, j'aurais pas dû aller l'activer quand même. Fait chier ça. Non, mais c'est une sorte de protection, merde. Allez, cavale, mon gars. Fais des roulades. Puis ça, il est pas transi de froid, quoi. Il a une écharpe, il a Il est en blouson, tout va bien quoi. Par contre, je suis super triste quand même pour mon écharpe que la grosse bestiole m'en a arraché les trois quarts là. C'est pas très cool. Poncho, c'est vrai que c'est un poncho. Ouais, en plus, ouais. Par quoi? Par ce YOLO du coup, là, ou
Je t'avoue que là, je rêverais surtout de savoir où je dois aller en fait. On va aller là-bas. On verra bien. Bah, n'hésite pas à me dire si je vais pas dans la bonne direction là, parce que je t'avoue que ça va me faire chier s'il faut que. Oh merde. Baisse-toi, baisse-toi, mais sois pas con. Genre, c'est passé là? Ok, très bien. Is Oh merde. Ah bah oui, mais là. Un peu ferré, ouais. Bon, c'est tout, j'imagine qu'en point de chaud, ça va pas être trop. Ça va être abordable comme truc, quoi. Je suis en train de me dire, si jamais je meurs encore une fois, à mon avis, c'est. Je reprends la sauvegarde et je vais être triste, quoi. C'est un gros cercle, une capuche, ouais, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais, j'imagine que ça. Pour que ça. Ouais. Pour que ça fasse quand même une jolie forme, il faut. Il faut faire ça bien quand même, mais. Ah, mais je suis dégoûté pour mon écharpe là. Du coup, si je change de zone, je vais reprendre l'écharpe que j'avais avant ou ça nique nickel? Parce qu'en vrai, la grosse écharpe, c'est quand même super cool pour pouvoir voler et tout, quoi. Qui est là pour sa garde, une forme ronde, jolie. Ouais. T'as plus de gêne, un peu dans le trou, ça a le poil sale. Après, en plus, avantage, si tu fais un poncho avec tes toiles cirées, c'est que s'il pleut, tu seras pas mal, quoi. Tu m'utiliserais au Tipex, c'est ça. C'était save unique, d'accord. Bon bah. Bah. Je pourrais queener alors, tant pis.
Toi, tu trouves qu'il sonne trop dans le requin, l'espèce de verre machin. Qui peut faire perdre 10 minutes. Ah merde. Ah, je vous avoue que je veux bien que vous me le spoiler le. Je veux bien que vous me spoiler le saut qui fait perdre 10 minutes, hein, parce que je vais être aigri si jamais je perds 10 minutes, quoi. Ouais, mais sérieusement, ils ont mis un timing de merde comme ça, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ah si, je tombe ici, là. D'accord. Merde. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, nique ta... Je vais aller chercher un petit peu les complications pour rien là, non? Ah non, ça va, en fait, ils sont cool. Ouais, je sais pas, du coup, ouais, j'ai pas vu. C'est bizarre, j'ai pas fait de saut. Enfin, je me rappelle pas avoir fait de saut. Ouais, j'imagine qu'il y a le ver de machin qui va venir me casser les noix, quoi. Pourquoi il n'y a plus trop la musique qui fait peur? C'est presque plus peur du coup. Pas très bien mon pépère là.
Et du coup, on n'a même plus de pouvoir, on n'a plus rien. Merde, c'est moi qui joue. Pardon. Pas aller voir l'arme que vous avez, tu vois, il va bien, regarde. Il va super bien, il vole, c'est super cool. Ça me foire un peu là, là.
Je pense que c'était normal, ouais. Ah, c'est un bug de son. Ah mince, je crois que c'était fait exprès. Je crois que c'est bizarre, en fait, j'ai l'impression que c'est... Que la... ouais. Qu'il y a un truc qui allait perturber le... La scène, mais en fait non, c'était juste un bug, en fait. Pousse le jeu. Ah, je pensais que du coup, toi, je sais pas, ça sortait un petit peu de l'espèce de rêve ou un truc comme ça. Qu'il y a un gros ver qui allait me sauter dessus. Ou, truc horrible, quoi. C'est ça, expérience personnalisée. Ouais, la petite étoile filante qu'on avait vue au départ. Hein. C'est vraiment belle la chanson de fin. D'accord. Et du coup, on j'avais pas ça, les démons du midi, celle-là?
Bon, en tout cas, vraiment cool, hein, une belle balade. Non, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Encore une fois, je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'avais pas. Je m'étais pas spoilé et voilà. Mais très bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Costume blanc pour les runs d'après, d'accord. Ah, c'est marrant ça comme comme truc. Ce plan-là est magnifique aussi. Je crois que t'as bien collé le ST. Ouais. Bah en même temps elle est belle donc tant qu'à faire. Hein. Ouais, effectivement, un peu de ça. Ah, c'est les relous, ça. Les compagnons. Donc, Queen machin, c'est celle que j'ai pas aidée au début, c'est ça. Non, mais après, dans l'absolu, c'est cool le multi-coopératif machin, mais en vrai. Là, ça faisait drop ma connexion, et puis j'avais juste envie de découvrir le jeu. J'ai juste envie de découvrir le jeu, quoi. J'ai tellement dit la même chose. Non, parce qu'effectivement, on peut pas. Je pensais qu'il y avait un truc, t'es pour jouer hors ligne, un truc comme ça, mais non. Ok. Bon, mais en tout cas, ouais, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Bon, là, je découvre 7 ans plus tard le jeu, hein, mais en même temps, il était jamais sorti sur PC, donc voilà. Mais ouais, non, je suis très content de l'avoir fait. Très très content. Ah, ouais, bon, zaf. bah, du coup, vu qu'il est minuit, je m'arrêtais là, je pense. Je me suis dit, je vais peut-être faire un peu de D3, mais bon, pour faire 2-3 fois, y a pas un gros intérêt. Du coup, donc, suite, enfin, hop, restant de la semaine, donc demain soir. Demain soir, je ferai donc du Trackmania. Donc, vu qu'il y a le calendrier de l'avant qui est parti, il y aura 3 maps à faire. Demain, on a le 3, donc il y aura 3 maps à faire de le calendrier de l'avant. Et faut que je joue avec Keras. On fera peut-être aussi une petite RPG sur Canyon. Mercredi, donc The Last Run, je vais jouer à Dead Cells. Parce qu'en fait, j'ai envie d'y rejouer, donc voilà. Jeudi, ça sera Life is Strange 2, donc l'épisode 5, donc la fin de la deuxième. Du deuxième jeu. J'ai vraiment hâte d'avoir la fin, quoi. J'ai rêvé de prendre le cheveu long, clairement. Vendredi, donc Darksiders Genesis. Et normalement, samedi, du Darksburg. Voilà. Si on a les clés, si l'early access commence, ainsi de suite, quoi. Mais ça paraît pas mal comme ça. Voilà. Et du coup, ici, vendredi, en début d'après-midi, un jeu qui a l'air pourri, là, Arizona machin. Et samedi en début d'après-midi, je pense que j'en ferai du IO avec mes gamins, comme s'ils avaient adoré. Donc voilà. Allez, des bisous tout le monde, passez une bonne nuit, et puis à demain. Des bisous.